plop, la VOD, plop, les gens qui veulent regarder en différé mes aventures sur Graveyard Keeper. Donc petit récapitulatif. Voilà, je réussis pas à parler. Alors ma mission, toujours rentrer dans mon monde, dans mon présent à moi, activer le portail qui est sur la colline aux sorcières et fabriquer un laser spirituel pour activer le portail justement. Donc ça ne change pas et je pense que ça bougera pas pendant longtemps. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas relu. L'astrologue obtenait de l'acide pour lire la seconde partie du journal et des outils de restauration. Ce que je viens de me dire en regardant les technologies, c'est qu'en fait l'acide je le trouve pas vraiment ici. Et du coup l'acide ça doit être un... Ça doit être quelque chose de l'alchimie que je dois mélanger pour... deux choses que je dois mélanger pour faire de l'acide ou quelque chose comme ça. C'est ce que je pense. Ensuite, Serpent. Lui, j'ai ses clous ensanglantés vu qu'on avait fait la quête. On était allé explorer les sous-sols. Donc, le donjon. Donc j'ai des clous. Je peux avancer ça, ce qui me donnera aussi accès normalement au tampon que Auradric veut. Il est où ? Là. Pourquoi il est remonté tout d'un coup ? Il était beaucoup plus bas à gauche tout à l'heure. Je sais pas comment sont triés les gens ici, mais c'est pas grave. Donc voilà, serpent, les clous ensanglantés. On va pouvoir avancer avec serpent. Donc peut-être avec Mademoiselle Charme. Parce que rapporter le collier de serpent, ben, tant qu'il veut pas, il veut pas. Marchand. Le marchand, il m'avait dit qu'une... Donc les dîners, ça m'a l'air toujours un peu compliqué. Pour les trompettes, il m'avait dit que je pouvais voir avec Mademoiselle Charme aussi. Donc, de mémoire, j'avais fait des prospectus pour augmenter à 2. Et du coup, il faut que je vois avec Mademoiselle Charme, si je peux avoir 3, ça sera déjà pas mal. Après, pour vendre les caisses... j'avoue, je sais pas vraiment comment on fabrique des caisses. Donc, il va falloir que je trouve ça. L'évêque, améliorer le cimetière et l'église, j'ai envie de dire, je m'en fiche un petit peu. C'est... Voilà. Pourquoi pas, mais non, en même temps. Je pense que ça aide à débloquer la suite, en général, l'évêque. Mais c'est tellement... dur, on va dire. Genre le 50 de l'église, il m'en manque un dans le meilleur des cas. Il faut que j'ai du tissu pour améliorer les bancs, pour pouvoir avoir ce que je veux. Ou peut-être avoir des meilleures technologies aussi. Genre si je prends l'encens par exemple, brûleur d'encens avec la recette encens, si ça se trouve en faisant ça, je vais pouvoir avoir des... Bah, le brûleur, je vais pouvoir poser des brûleurs d'encens qui vont augmenter la beauté de l'église et du coup atteindre plus facilement. Pareil, si je fais... mais j'ai déjà le lieu de crémation, donc il faudrait peut-être que je le fasse. Mais voilà quoi, c'est beaucoup à faire, c'est une quête longue et en fait je le fais même pas en arrière-plan quoi. Je devrais le faire un peu plus, au moins créer des tombes, enfin créer des pierres tombales et des cerclages, mais ça m'embête d'avoir un cadavre par jour, ça fait beaucoup je trouve à s'occuper. Après j'ai l'impression de pas avancer sur le reste et voilà. Quoique du coup maintenant que je sais faire du jus de zombie et que j'ai d'ailleurs je sais même plus c'était quoi, mais qu'il me reste beaucoup de sang dans les coffres au sous-sol, le jus de zombie, je vais pouvoir ramener des gens, ça peut être toujours intéressant. Et du coup, ramener des gens, ça me permet d'augmenter pour le futur le cimetière. De préparer ce qu'il faut pour augmenter le cimetière. Voilà. C'est tout bon. Donc, vendre les caisses. Donc, on va essayer. C'est quel jour ? On va voir le jour de la femme. Donc, Mademoiselle Charme.
Je vais pas l'avoir pour serpent parce que j'ai pas encore ce qu'il faut. Mais on va voir Mademoiselle Charme. On va essayer de voir avec le marchand qu'est-ce que ça lui a débloqué comme dialogue et qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, le lendemain, c'est le jour du marchand. Donc là, on faut qu'on ait la trompette à 3. Je sais même plus comment j'avais appelé ça. Mais il faut qu'on ait 3 de trompettes. Comme ça, au moins, on a débloqué ça. Et après, ça sera serpent où on lui donnera les clous. Ça fait beaucoup de choses. Enfin, ça fait 3 jours d'affilée où il va y avoir des choses. Et après, l'inquisiteur, il n'y a plus rien. Enfin, l'inquisiteur, il n'y a plus rien. Ce serait cool que je fasse l'alambic entre tous ces temps morts là, enfin dans les moments où j'aurai du temps mort, mais ça me paraît compromis. On va voir rapidement quand même. Alambic, c'est 24 pierres et 4 pièces de fer simple. Si je peux peut-être commencer par ça, de toute façon on est la nuit, qu'il n'y aura rien. Alors, 4 pièces de fer simple. Voilà. Et c'était 24 pierres, je crois. Est-ce que j'en ai 24? Oui. J'en ai un peu plus, mais... Ouais. Ça aurait été plus rapide de le faire dans l'autre sens, mais il aurait fallu calculer. Et les maths en live, c'est pas l'idéal. Voilà. Ça ne fabrique plus rien. Fabrique... Ah, il n'y a plus assez de... Alors, un peu de graphite, ça peut être rigolo aussi. On va déjà donner, peut-être pas autant. Est-ce qu'on fait du graphite ou de la fiole qui a une conique et tout? Les fioles, c'est bien, ça va me donner du bleu, mais en soi, je sais pas trop à quoi ça sert. On va tester le graphite. Plus le zombie est arrivé pour me donner juste ce qu'il fallait de charbon. D'ailleurs, j'avais oublié que j'étais pas obligé de récolter. Voilà, j'ai tout. On va se faire l'alambic. Après, entre faire l'alambic et avoir de la bière, c'est pas immédiat. Je vais le mettre là. Alors, chope de bière. Effet quand utilisé entre plus 5 et plus 10 de cœur et plus 15 à plus 25 d'énergie. Il faut du houblon. Je n'ai pas vu de houblon de mémoire. Et en fonction de la qualité du houblon, avec de l'eau et du blé, ça nous fait de la bière. De qualité qui correspond. Et il faut du combustible. Donc du houblon, c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Enfin, pas pour tout de suite. Si, peut-être. En soi. Alors ça me donne que du rouge. Ok. J'ai du graphite, mais je. J'ai juste fait pour la démo, quoi. En plus. Alors. J'aurais dû passer par en haut. On va regarder rapidement les graines. Vigne, c'est pas ici. Oignon, citrouille, lentille, oignon, chou, betterave, oignon, lentille, citrouille, carotte, blé, tourbe. Ah oui, et après c'est bon. Là y a rien et là y a pas grand chose. On va passer par la vigne avant d'aller voir Mademoiselle Charme. Ah mince. Graphite, ça va m'encombrer pour pas grand chose, mais je pense pas que ce soit grave. Est-ce que j'ai encore un peu d'engrais enrichi? Et là, on met les graines.
que oui, j'ai de l'encre enrichie. Et on met... non, on met les graines. Je suis prêt. Je suis pas obligé de mettre la troupe du coup. Mais ça met... ça met la petite étoile quand même au niveau minimum, mais... Je pense que c'est mieux de mettre ça au niveau minimum plutôt que pas du tout. Engrais enrichi. Et graines de vigne. Et si je regarde, j'en ai combien en tout? J'en ai 3, donc pas plus de toute façon. Là, je ne peux pas mieux. Tac. Gold! Non, pas gold ici. Enfin, je crois. Je sais plus. Est-ce que c'est du gold ça? Oui, c'est du gold, ok. Bon, bah. Tant pis, j'ai plus de graines enrichies. J'ai pas de graines sur moi, donc c'est bon. C'est bon. J'ai déjà perdu la moitié de la journée. Pour les voix de Mademoiselle Charme. Et le houblon. Le houblon. À part aller en acheter en bas là. On va quand même faire le petit détour vu que je suis pas passé par le sous-sol. Ça me permettra de passer par le sous-sol au retour. Alors commercer. Alors déjà, ils vont pas du houblon mais graines de citrouille. Oignon, graines de citrouille, graines de lentilles, graines d'oignon, graines de lentilles, et ça c'est pas des graines, farine, graines de chou, graines de carotte, graines de blé, graines de betterave. Ok, non. Lui ne va pas me vendre, en tout cas, à moins qu'ils peuvent débloquer des ventes plus tard, ils ne me vendent pas de houblon. Le petit fou là-bas, il me vend pas non plus de... Il me vend du... de la beuh. J'aurais quelques questions. Pas de questions. Ah mince. Ok. Donc pour... Pour avoir... faut lui donner son... Son collier pour qu'elle veuille bien me donner de... qu'elle veuille bien me donner du... Ah punaise, j'en perds mes mots. Me donner la quête marketing, quoi, pour avoir du marketing. La réputation, voilà, les trompettes, c'est de la réputation. Il faut 6... dos. Donc je vais ramener 6 dos. De toute façon, je sais pas faire une caisse, donc ça sert à rien que je fasse les... Que je fasse des prospectus pour avoir une troisième caisse si je ne sais pas faire une caisse. Il faut que je trouve comment on fait une caisse. Non. Il faut que je regarde tous les trucs en bois. Voilà, 6. Ok. Ah, j'aurais pu mettre le raisin en bas. J'aurais dû presser le raisin et peut-être en mettre à démarrer. Ah ouais, de l'huile c'est ici et huile de graines c'est ça. Donc. On peut faire ça. Là, on peut rien faire d'autre. Voilà. Je peux mettre en argent. Je pose. Je les ai mis où mes clous ensanglantés? Ici. On va les mettre avec le seau. Même si en soi,
c'est pas grave. La soupe de légumes, récupération d'énergie, endormant est augmenté, d'accord. Hop. Alors, là on peut faire des purins de meilleure qualité. Pâte à polir. On n'a pas trop regardé. On n'a pas regardé la pâte à polir. La pâte à polir, l'huile comme ça, faut de la graisse humaine. Ok. Non, là y a rien. Bol de céramique, pierre aiguisée. Tout ça non. Je peux améliorer le... en enclume 2. Bah, je vais faire ça tout de suite. Je pensais que pour améliorer, j'étais obligé de passer par le truc bleu, mais apparemment non. Ah, un peu plus joli. Alors, les clous, pièces de fer simple, pièces de fer complexe. Ah là, maintenant, je peux faire les... Je peux faire un marteau. Marteau de fer, surtout. Ouais. Donc, je pourrais faire les niveaux 2. Parce que moi, j'ai des niveaux 1, c'est ça. J'ai un marteau rouillé, hache niveau 1, pioche niveau 1, paix niveau 1. Ouais, donc je peux passer au niveau 2. Est-ce que je le fais tout de suite? Ça va me pomper de l'énergie. Je voulais regarder quand même si je peux trouver le... comment faire une caisse. Je sais même plus ce qu'il faut mettre dans les caisses en plus. Pour ça, j'ai regardé. Ça, non. Et ça non plus. Alors, mal, stock de minerai de fer, donc non. Fourneau, j'en ai déjà un, même si plus ça pourrait être bien. J'ai une enclume en normal plutôt qu'en bois, donc elle est même passée niveau 2. J'ai même un fourneau 2, enclume 2, ouais. Réserve de bois. Chevalet, j'ai déjà. Bio, j'ai déjà enlevé. Bio, j'ai déjà. Établi à bois, ça ressemble à quoi? Oui. Ça remonte tout en haut, mince. Juste pour vérifier, chevalet, j'ai déjà. Et bio, ça doit être le truc qui est juste à côté. Voilà. Pressoir, j'en ai un au sous-sol. Réserve de pierre. Coup de pierre, j'en ai plus ici. Si, c'est ça. Et j'en ai un là-bas déjà, pour couper la veine de pierre et la veine de fer. Pressoir, réserve de pierre, coupe-pierre, tour de potier, j'en ai un, coupe-pierre 2. Ah, je pourrais là en prendre des deux. Ça peut être intéressant. Fabrique de caisse, ah bah voilà. Bah, je peux en construire. Ça s'est fait tout seul. Ok. J'ai pas pu choisir où je voulais. Donc là, on mange deux petits asticots, ça m'enlève une place. Enfin, ça me libère une place plutôt. Pendant que je réfléchis, j'ai pas relancé de. Ah oui, je peux faire des lingots de fer avec ça déjà. Oui. Ah d'accord. Ah ouais, c'est le truc qui est super long et que j'aurais dû voir déjà dès qu'il m'a dit ouais, faut faire des caisses. Ok, bah je crois que je vais peut-être aller le voir juste pour vérifier si... Voilà. Et du coup, caisse de légumes... Caisse de marchandises. Donc ça demande plein de clous. Ok, c'est une caisse de clous. Celle-là, c'est une caisse de pièces de fer complexe. Ça doit être du marbre, morceau de pierre sculpté, ça c'est du marbre poli.
Bol en céramique. Cruche en céramique. Ah ouais, il y a beaucoup. Et pichet de porcelaine. Ok. Alors c'est un peu dommage qu'ils ne puissent pas prendre les stocks de légumes qui sont juste à côté. Ah si, il les prend. Si, il les prend parce que les citrouilles sont en bas, les 13 citrouilles. Ok, c'est juste que j'ai pas assez de citrouilles. Mais là, ça donne un intérêt de prendre le... Ok. Alors, on va voir les citrouilles. Ok, j'ai fait les mauvais. Oh, vas-y, prends un bon vin. Ça redonne de l'énergie. Tac, tac. Tac, tac. Hop. Voilà. Voilà. Si ça se trouve, j'ai toujours pas assez, mais... J'ai toujours pas assez, mais ça a bien augmenté. Donc c'est ça. Il faut... des citrouilles, des lentilles, des oignons. Et ou faire une chaîne d'approvisionnement complète en clous, je pense. Vu qu'au final, on s'en fiche. Et c'est ce qui me coûtera le moins de ressources. Genre avoir un zombie qui transforme à plus ou moins l'infini le métal en clou, parce que j'ai la flemme de le faire moi-même. Ouais, ok. Et du coup, avoir des caisses de marchandises comme ça. Du coup, lentilles, oignons et citrouilles, j'ai limite aucun des trois, enfin j'ai que des citrouilles quoi. Encore deux asticots. Ça je pose. Pourquoi j'avais... Je voulais les cidos. C'était pour faire la deuxième. Vite. Ici. Pour faire la caisse. Là-bas. Non, je le garde, je vais le vendre. Ah oui. Ah oui, en fait, je peux préparer masse de palettes ici. Et j'ai un endroit pour qu'il y ait un zombie. Ah oui. Ok, il s'est cassé déjà. Ouais, il est pas dehors. On va les aligner, hein. D'abord en longueur et après en hauteur. Voilà. Ok, donc faire des citrouilles, ça peut être une... Bien. Et maintenant, dans l'épisode, je crois que c'était le 24 ou le 25 plutôt, j'avais rigolé en mourant avec la ferme de zombies qui servait à rien et que ça m'avait économisé. Au final, si je fais des zombies jardiniers qui font des citrouilles ou des oignons, surtout des oignons, ça peut être très intéressant, mais je suis plus sûr d'en avoir. Et j'ai la recette houblon, mais... qui me font du houblon à l'infini, ça peut me... de l'oignon à l'infini, ça peut me permettre d'avoir des caisses comme ça. Parce qu'au final... Fabriquer la caisse, c'est quelques doses, quelques clous, je veux bien le faire, à part quand c'est une cargaison de clous, c'est ça que je disais tout à l'heure. Mais ça m'embête un peu le jardinage en fait, comme dans la vraie vie. Je sais qu'il y en a, ça passionne, mais moi ça m'ennuie. Enfin, pas vraiment ennuyé, mais c'est très physique pour pas énormément, je trouve. Je suis pas fan de manger, mais ce que j'ai produit. Bref, c'est du perso. Chacun son avis. Donc l'encens, ça m'intéresse pas. Je suis en train de me dire que je vais prendre justement la ferme à zombies.
Ah, les livres. Livre. Le truc, c'est que les livres, ça peut m'apporter les. Du bleu, je pense. J'hésite un peu. Soit je prends zombie et. Non, pas digestion. C'est quoi d'ailleurs dans digestion? Jus de pomme fermenté, jus de baie fermenté. Ah oui. Oui, au final, c'est pour avoir plus d'alcool, quoi. Et des alcools différents. Mais des alcools pas trop compliqués à produire. Moins que la bière. J'ai l'impression, en tout cas. C'est quoi ça, ingénierie? Prière d'excellence, ok. Pompe à eau. Oh, pompe à eau. Non, on s'en fiche. Ingénieur, ça, par contre, ça peut être intéressant. Donc... Voilà, le minerai... les minerais connexes, ils m'intéressaient parce que ça peut me faire accumuler des minerais rares, en fait. Qui, quand j'en aurai besoin, ben, j'aurai un stock. Ou au pire, si j'en ai trop, je peux en vendre, je pense. Je pense que je pourrais en vendre. Je pense du coup que je vais partir sur les livres plutôt. Livres. Du coup, je ne l'ai pas vu, le marchand. Mais en soi, ce n'est pas trop grave. Donc là, je peux mettre un zombie. Je sais pas trop ce qu'il fait. Faudra que je fasse une caisse. Ça se trouve, il prend la caisse qui est là, il la met là. Et il en ramène là-bas, peut-être. D'ailleurs, c'était trois types de caisses. C'était quoi la troisième? Légumes. Ah d'accord, oui, c'est les légumes gris, les légumes dorés ou les marchandises. Ok. Je croyais que les dorés, c'était cargaison spéciale ou quelque chose comme ça. Là, il me faut du houblon. Au final, ça, j'aurais dû le garder dehors. Parce que le charbon, ça va m'embêter de le descendre. Quoique, moi, je vais péter un câble, je vais mettre... Ah, tiens, j'ai 100 charbons, bim. Je mets tout dedans et puis on verra. Ça va finir comme ça, c'est évident. Faut que je pose ça et le... Là. Et le chou. Graine de chou. Non. Le chou. Et les citrouilles. On va voir rapidement quand même. Si je peux. Si je peux faire en sorte que ce soit un peu rapide. Les livres, comment ça marche, enfin qu'est-ce qu'il faut, et si c'est possible de, si c'est possible d'en fabriquer tout de suite quoi, et si c'est possible de, si ça donne du bleu. Alors voilà. Ah oui quand même. Ah oui en plus. Ok alors. Une chose à la fois, il faut du papier en peau de porc et non pas du papier propre pour faire un livre souple. Ensuite, pour faire un livre relié, il faut un livre souple, agent de tannage, donc je sais pas, et de la foie, un de foie. Après, pour faire un argent, il faut un livre relié, donc il faut déjà le livre souple, des pièces en acier, donc l'acier je sais en produire, mais les pièces en acier, je vais pas trop regarder. Pas dire autre chose, et deux de fois, donc ça, il faut trois de fois pour avoir celui-là au total, et celui-ci, il faut tout ce qu'il y a avant, et des bijoux, donc les bijoux, par contre, c'est quoi papier en pot de porc, ça s'appelle, faut que je vois si j'en ai en stock, l'encre, il faut de la peinture noire, mais ça je sais pas trop. Donc, soit si j'ai de la peau ou de la peau de porc, je peux faire ça. Autrement, j'en fais à partir d'ailes de chauve-souris, comme ça je m'embête pas à regarder mes stocks là-haut. Puisqu'il me semble pas évident que je les aurais mis ensemble. Comment je l'appelais?
livre souple, ça donne seulement du rouge. Donc, il n'est pas très utile en soi. Ça m'a donné que du rouge tout ça. Très bien. Je vais reposer ça. Faut pas passer au dans le surmonde. Par contre, faut que je dans le monde réel plutôt, mais il faut que je j'aille récupérer les clous. Je sais plus combien il lui en faut, 5 je crois, mais on va tout prendre. On va reprendre ça au cas où, même si normalement je lui ai déjà donné un seau de sang. Pim 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 pom, pim 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 pom, pim 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 pom. Alors, lui donner les clous ensanglantés. Bien, ces clous permettront de briser le sceau. Dès que tout sera prêt, vous serez tous témoins de sa puissance. Une histoire dorée. Ah, j'attends cet instant depuis si longtemps. Et à présent, tout est prêt. Vous serez le premier à assister à son invocation. En fait, j'ai pas mal de boulot, je vais y aller. Restez, ou vous serez punis. Ah bon, ok. Ro Shikito Shikino a Perino. Ça vibre. Poulet. Ce n'est pas ce qui était censé se produire. Non, quelque chose cloche. Invocation de poulet. À vrai dire, il y a beaucoup de choses qui clochent. Silence. Je dois ajouter une note à mon carnet infini. Tuer le marchand de parchemin. Le misérable, il m'a assuré avoir effectué une copie exacte de la page dont j'avais besoin dans le livre. Marchand de parchemin. Je vais devoir mettre la main sur le livre original. Connaissez-vous quelqu'un à l'université? Je connais quelqu'un, c'est un astrologue. Je crois qu'il y a travaillé à une époque. Quelle heureuse coïncidence. Vous êtes un vrai porte-bonheur pour moi. Je devrais vous couper une main pour me l'accrocher autour du cou. Je rigole. Demandez à l'astrologue de vous apporter le Necronomicon de la bibliothèque de l'université. Je vous en serai grandement redevable. Ouais. Ben, il faut le Necronomicon pour les outils de restauration pour l'astrologue. Donc normalement, l'astrologue, il est content. Et là, j'aurais besoin d'un tampon royal. J'ai un tampon royal! Le tampon royal qui va me permettre de vendre la viande. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit qu'elle se vende cher en fait. On va voir ça. Je m'interroge toujours à propos de ce collier. Vous avez une très bonne réputation dans votre domaine. Je me demande ce qu'il a pu se passer avec le collier de Mademoiselle Charme. Oh, c'est compliqué. Je suis le meilleur à ce que je fais. Je peux retrouver n'importe quoi. Évidemment, c'est un talent un peu louche, et du coup, tous ces arrogants de la ville me prennent pour une pourriture. Mais cela ne les empêche pas de m'offrir leurs pièces lorsqu'ils en ont un problème qu'ils souhaitent me voir résoudre. Mais ce collier menace ma réputation. Vous m'avez dit savoir où se trouve ce collier. Alors, quel est le problème? Eh bien, il n'est pas en ville. Il a été acheté sur ordre de l'ancien seigneur, commandant du fort de la montagne. Ah, je vais avoir accès au fort. Ce collier a pour lui une valeur sentimentale. C'est tout ce que j'ai pu apprendre à ce sujet jusque-là. Parlez-moi du seigneur, commandant. Il fut un temps où il était un grand guerrier. C'est l'oncle du roi. Mais bon, c'est facile d'atteindre la grandeur lorsque l'on est dans un palais et que l'on a un père qui vous aime. Si j'étais à sa place, je serais devenu roi. Mais il est juste devenu le protecteur de la passe nord, et à présent, il ne reste plus rien à protéger. Parlez-moi du fort de la montagne. Ce fort se trouve au nord du village. Il est énorme, mais aujourd'hui, il tombe en ruine.
La passe s'est effondrée lorsque j'étais encore enfant. C'était le lendemain de la grande déflagration. Un événement terrible. Mais il est juste devenu le protecteur de la passe nord. Et à présent, il ne reste plus rien à protéger. Ah, ah. Je pourrais essayer de vous aider. Je pourrais peut-être vous aider à le retrouver. Je ne sais pas trop comment, mais nous pourrions y réfléchir ensemble. Oh, je suis passé à 40, donc je peux lui demander les outils pour l'astrologue. Donc maintenant, le site pour l'astrologue devient intéressant à chercher. Et réfléchir, c'est comme si je n'y avais pas assez réfléchi tout seul. Mais peut-être qu'ensemble, on ne sait jamais. En fait, vous pourriez peut-être m'être utile. Vous pourriez essayer de récupérer le collier avec l'aide du serviteur du seigneur, le bossu Kugol. Pourquoi ne pas lui demander vous-même? Un malentendu a quelque peu entaché nos relations, il y a quelque temps. Je lui ai vendu un ornement censé le guérir de sa bosse. Mais il a mal interprété le mot censé, alors du coup, c'est à vous de jouer. Pour être honnête, je pense que vous n'y arriverez pas. Mais bon, j'y gagnerai dans les deux cas. À propos de ces outils de restauration, je dois vous demander un service en retour. Bien sûr, voici les outils de restauration que vous m'aviez demandé. Attendez, vous les aviez déjà sur vous? Ouais, je les avais la première fois que vous m'en avez parlé. Ne le prenez pas mal, les affaires sont les affaires. Je ne dirai rien. Partir. Attendez une seconde. J'espère que vous entendez pas trop le clavier à côté. Je pense que ça devrait aller, mais... Alors... Ok... Ah oui, c'était pour faire du lingot d'acier, les lingots d'acier et le graphite. Ok... On va faire des fioles. Ça va durer 50 ans, mais... Donc... Je retourne poser ça. Je vais les poser ici, plutôt. J'ai ça en trop. J'ai ça en trop, déjà. Ça, c'est immédiat. Il a quand même fini le tuto. Ouais. Oui, mais non. C'était quoi, ça? La poudre de santé, oui. Au pire, je peux en acheter. C'est bien de finir le tuto 1 dans Northgard, mais... bon courage, quoi. Ça suffit pas. Oui, je voulais poser l'histoire. Alors, outil de restauration. Donc ça, c'est le jour de l'astrologue. C'est pas tout de suite. Ça, par contre, je peux le poser. Et je peux aller voir avec une viande. Voir ce que ça donne. J'ai 10 de fois. D'accord. Bah, je prends, hein. Ou alors j'ai oublié de faire le sermon. Oups. Bon après, c'est si le sermon c'est pour me prendre du temps et... Quoique 10... Ouais, je gagne 11 de fois. Enfin, ça a l'avantage de me donner les bonus, là. Et 10 de pièces de bronze, là, donc rien.
en pièces de bronze. Autant dire les choses franchement. Donc je prends un peu de viande humaine. Est-ce que j'en ai là? Oui. Je vais voir la viande rôtie s'il en veut. Pire qu'il ne tente rien à rien. J'ai des oignons. Pour calétiner ça, on peut mettre ce qu'on veut. Ah, je peux nettoyer les clous ensanglantés maintenant qu'ils ne doivent plus servir à grand chose pour me faire des clous normaux. Ok. On va dire quand j'aurai un deuxième slot, de toute façon, c'est pas forcément hyper important. Choucroute, métabolisme lent, toutes les améliorations durent plus longtemps. Une choucroute. Ok. Je voulais faire un hamburger. C'est ça, il me faut de l'oignon, mais de l'oignon or. Il faut de l'oignon or. C'est par le sous-sol. Sinon, je veux pas, je veux poser. J'ai pas de graines d'oignon. Enfin, pas. J'en ai 3 d'or, quoi. Faut que j'aille au sous-sol pour en prendre plus. Peut-être que le houblon, c'est pareil. Peut-être que le houblon se cache au sous-sol. Bientôt être en mode plus d'énergie, il faut que je dorme pour parce que sinon mon énergie diminue automatiquement. Mais bon, pour le moment ça va. J'aimerais bien avoir les calculs là pour le Ou alors faut peut-être que je restaure la mine. La tombe. Pour le moulin. Ça apporterait un peu de variété. Alors. Dead horse. J'avais jamais vu, mais à gauche c'est du vomi. À côté de la plante. Bien, alors cette viande va juste avoir besoin d'être un peu préparée sur une table de cuisine. Emballez-la dans du papier, mettez un coup de tampon dessus, et je vous l'achèterai avec plaisir. Ouais, mais du coup, non, je l'ai pas. Ben, on va te vendre tout ça. On va te vendre tout ça. Ah, je peux lui racheter du... À plus cher, évidemment. Peut-être le vin que je lui ai vendu d'ailleurs, je ne sais pas. Ou une partie. Je sais plus. Je sais plus s'il en avait. Terminé l'offre. En tout cas, ce que je viens de lui vendre, je peux le racheter. Mais je sais pas si. J'espère qu'il n'y a pas que ça, quoi. Ouais. Sinon, je suis à 20 avec lui. Il va me dire que je peux toujours pas. Faut 30. Donc la viande comme ça, il faut pas. Faut d'abord la couper, puis l'emballer, mettre un coup de tampon. Et le tampon. Oh. Fabriquer à table de cuisine en plus. Oh. Le village est en sécurité. Oui, oui. Pas du tout quelqu'un du futur qui vient pour vous embêter. Je veux juste rentrer chez moi.
Donc je suis par là. Peut-être qu'il va vouloir me dire ce qu'il faut pour aller là-haut. Pim, 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 pum. Pim, pim, pum. Lui, il est toujours ici. Parti. Quel est cet endroit? Ce chemin mène au fort de la montagne. Entrée interdite. L'interroger à propos de Kukol. Je dois parler à Kukol. Je ne peux pas vous laisser rentrer, mais vous pouvez le rencontrer hors du fort. Toutes les nuits, il est dans la forêt, pas très loin vers l'ouest. Personne n'a plus besoin du fort de la montagne. Il nous faut bien trouver un moyen de vivre. Ok, c'est parfait, on est la nuit. Heureusement que j'ai pas attendu d'aller en journée. L'ouest, c'est bien de ce côté. Par contre... Ok. Lui, il m'a donné ses lasagnes. Et c'est tout. C'est quoi ça? Ça doit être du champignon. Je pouvais le ramasser. Champignon rouge, d'accord. Il me semblait que je pouvais pas le ramasser. Mince, c'est la fin de la journée. Enfin, c'est la fin de la nuit, plutôt. J'essaie de rester par là. À moins qu'il passe par ici. Essayer de voir par où il passe, par où il vient. Si ça se trouve, je ne le verrai pas. Attendez, la carte. Non, lui, il est là. Il va pas venir dans la forêt qui est ici. Pas la forêt près de la rivière, ça serait abusé. C'est cette forêt-là dont il parlait. Je pense. Bref. Je ne pense pas que ce soit... faut que je le trouve, faut que je vienne de nuit pour le trouver. Il y a tout ça en plus. Je voulais essayer de voir. Je me souviens plus si les cailloux, entre guillemets, repoussent. En tout cas, j'ai envie de faire un petit peu de ménage. Je sais que les arbustes repoussent, les souches. J'ai un doute. Alors. Un kit de réparation du bois. Je pourrais les acheter, les kits de réparation. Toi, tu veux. De rien, mon gars. Et après, il me parle. Non. Toujours un bug. J'avoue, je l'ai pas reporté celui-là. Hop. Non. Donc l'inquisiteur, on s'en fiche un petit peu. Faudrait que je mette des carottes. Et peut-être que j'aille acheter de la poudre de vie à Clotho. Ah oui, ça donnait du bleu.
Pas forcément beaucoup, mais attendez, j'avais pris ça. J'avais pas pris le... Non, j'avais pas pris le zombie jardinier. Du coup, ça m'a redonné genre 6, quoi. On pose ça. Les pierres, on va les poser ici, plutôt. On va regarder le... comment se fait. J'hésite à aller voir Clotho, là, en... à toute vitesse. Donc je coupe. J'ai ma viande tranchée crue. Insérer tampon. Ah oui, il y a le tampon là à gauche maintenant. Il me faut du papier. Et... ah non, faut pas que je la coupe. Oh ben... je pensais qu'il fallait que j'en fasse des tranches, mais en fait non. Ah, il m'a dit peut-être par rapport à la viande, par rapport au... non, parce que le... y a rien qui donne de la viande tranchée crue, le seul truc c'est les gens. Bref. Je peux ouvrir un paquet pour me donner de la viande tranchée crue, super. Super, au lieu de prendre un peu de temps, enfin en plus de prendre un peu de temps x2, j'enlève... ça je repose. Je peux pas poser. Moi, je vais la faire cuire. Hein. Soupe à la citrouille. Je pourrais faire des soupes. Sommet profond. Ça donne, ça gêne pas trop. Omelette. Hop. Alors, faut que je pose ça. Les œufs, je peux les reposer là-haut. Effet quand utiliser moins 5 PV. évidemment. On va les remettre dehors, les champignons, plutôt. Ah, je peux faire un livre. D'accord. Augmenter. Ok. Mais genre j'ai 0% de chance de faire un livre en argent, en bronze. C'est bizarre. Peut-être décomposer sur la table d'études pour continuer. Ouais. Ouais. Et un chapitre. Voilà, par exemple. Je vais reposer ce que j'ai. Ça. Ok. Là. C'était celle d'à côté. Là. Là, je fais un chapitre. Ouais. Ouais, je me suis fait un chapitre. Ça m'a donné du bleu d'ailleurs. Donc en fait, les histoires et générateurs d'histoires aléatoires, enfin, ou les générateurs d'histoires pour faire des notes puis faire des chapitres, ça peut être bien. Sauf que les notes, à part acheter les... l'encre, je sais pas. D'ailleurs, j'étais venu à la base pour prendre un papier. C'est là. Je regardais du mauvais côté. Voilà. Non, c'est encore l'autre. Et là, si je fais un livre,
donner beaucoup plus. Ouais, j'ai dû misclick sur le. Enfin, ah mince. Ah mince, du coup, j'ai pas regardé. Mais ça me donne un livre. Bon, déjà, le livre. Bon, je sais pas à quoi ça sert, à part se faire décomposer en ça. J'ai pas la foi sur moi. D'ailleurs, la foi, je devrais la mettre ici plutôt que là-bas. C'est bon, je l'ai décomposé. Ouais. Vu que j'ai pas eu à travailler ni. Qu'il y ait de d'animation. Papier propre, ok. Champignons, on le met dehors. Je suis reperdu. Je vais peut-être mettre la foi quand même ici. Et parce que de toute façon, j'en ai pas besoin en fait de la foi loin ici. Poser ici. Alors on pose la bougie, enfin les bougies, les bols en céramique, les champignons, je vais les garder, la foi et les prières. Et là, les champignons, je vais les poser et après direction l'astrologue parce qu'il est à l'autre bout du monde. D'ailleurs, c'était la nuit. J'aurais pu regarder si. Si l'autre, je le voyais. Oui, très bien, de la viande. Oui, la viande. Je voulais faire ça, voir combien. À combien ça se vend plutôt. Combien ils sont prêts à payer pour me l'acheter. Voilà, j'ai du bleu. J'ai beaucoup de verre qui ne me sert pas à grand chose pour le moment. Je crois que je pouvais même pas y vendre. Ah, oh, je peux faire les citrouilles. Non. Alors, non. Voilà. Ici, je pose ça quand même. J'ai 10 carottes. Ouais, 10 carottes, ça devrait suffire. Punaise, je suis en train de perdre du temps. Pour pas grand chose d'intéressant, mais en même temps. Ça m'avance pour plus tard. Et ça, je voulais poser ici. Oui. Ok, on va voir l'astrologue en priorité. Même si j'ai pas l'acide, au moins. Des fois, ça débloque. Des fois, non. Je sais pas. Au moins, je peux. En général, je peux quand même lui poser ça, même si j'ai pas tout. ça m'avancera. Alors, est-ce que je rachète des œufs? On va dire que oui. Un œuf. Hein, peut-être que les œufs, 5 maximum, mais c'est en fonction du nombre de temps que t'attends.
Donc lui, il me permet d'avoir des graines de l'huile comme ça. L'huile de graine, vu qu'il a son pressoir. Voilà, l'astrologue. J'ai pas l'acide, mais j'ai les outils de restauration. J'espère que ce sont les bons outils. J'espère que ce sont les outils. Ça ne devrait pas... Ce ne sont pas les meilleurs que j'ai connus, mais ils devraient faire l'affaire. J'ai inversé les voix. Necronomicon. Il faut d'abord l'acide avant de pouvoir lui parler du Necronomicon. Micon, je ne sais plus. Je ne sais pas comment on dit exactement. Alors, à part l'encre et du coup, et les plumes, et du coup, le stylo et encre, je peux fabriquer les livres souples, le papier propre. Livres, chapitres, je peux en fabriquer. Livres reliés, plus ou moins. Un livre, pas en qualité, pas dans cette qualité-là. Pareil, ouais. Je sais pas comment on fait pour que le. Qu'il y ait du bleu ou du rouge ou du vert sur le la devanture du livre, quoi. On va vendre la bidoche juste pour voir combien ça vaut. Juste par curiosité personnelle, est-ce que c'est rentable entre guillemets? Enfin, pas forcément rentable, mais 64 pièces de bronze, quoi. On s'est embêté à prendre un tampon royal qui valait 5 pièces d'argent. 5 ou 50 plutôt pièces d'argent, je crois. Bon, on l'a eu grâce à notre ami Serpent, mais quand même. Pour que il faille s'acharner soit sur une... soit pêcher la grenouille, soit prendre un corps, lui enlever sa viande, avoir le risque d'une mauvaise manip chirurgicale, perdre de l'énergie dans les deux cas. Après, si c'est la grenouille, il faut aussi la dépecer. Donc tout ça pour avoir de la viande. Je ne sais même plus comment on s'embête pour les feuilles. Pour les feuilles, soit il faut aussi enlever la peau, soit... bon là, j'ai pas mal d'ailes de chauve-souris d'avance, donc ça devrait suffire. L'un ou l'autre. Pour qu'au final, ça me rapporte 64 centimes, quoi. Pour avoir une feuille, après, pour que ça me rapporte 64 centimes. Excuse-moi, mais je ne ferai plus de viande. C'est de loin l'un des trucs qui doit rapporter le moins pour l'effort généré, quoi. Non. On va explorer la forêt. On va explorer la forêt. Ouais. Pas grand chose d'inutile sur moi, c'est bon. On va prendre du miel au passage. S'il faut. Lui, il me vend de la pierre. J'espère qu'il est visible, le gars. Ah, il est là. Ah oui, c'est lui le bossu. Ah, peut-être qu'il fallait d'abord qu'il me dise « Ouais, il est là la nuit. »
Et après attendre, laisser passer justement la nuit en cours, attendre la nuit d'après et la voir. Interroger à propos du collier. J'ai entendu dire que votre maître, le seigneur commandant, avait acheté un collier. Je vous paierai bien si vous me le rapportez. Mon maître n'achèterait certainement pas une chose aussi inutile qu'un collier. Par contre, le jeune maître, le fils du seigneur commandant. Mais il nous a quittés il y a environ 2 ans. J'ai l'impression que je ne trouverai jamais ce collier. Commercer. Oh! Épée de Damas ornée d'une gemme. Donc 1 d'énergie pour 20 de dégâts quand même. La 2 d'énergie pour 15 de dégâts. Ah ouais. Et puis en acier ornée d'une gemme. C'est vrai que celle-là, elle vaut le coup, hein. Armure de fer. Ça, c'est ce que j'ai, je crois. De toute façon, elle a déjà été recherchée, donc oui. Ça aussi. C'est tout cher, hein. Toute l'armée. Par contre, ça veut dire. Je crois que l'épée, je l'ai déjà revendue, mais ça veut dire que je peux revendre les armes et les armures à lui, si je veux. Très bien. Par contre, ça m'a pas beaucoup avancé dans l'histoire. Lui, il va toujours pas vouloir que je passe et il faudra que je retourne voir Serpent. Faut que je retourne voir Serpent pour qu'il me. Pour qu'il veuille bien me donner peut-être plus d'infos, je sais pas. Pour lui donner déjà l'info que le jeune a quitté il y a 2 ans. Histoire. J'ai dû prendre Maître Champignonnier et totalement oublié depuis. Non. J'ai oublié de passer par les. Poser les carottes. Si ça se trouve, j'avais déjà un cadavre. Non, c'est bon. Les carottes. Poser l'histoire, prendre la foi. C'est ici maintenant. Enfin le. La prière. Bah tiens. Justement les récoltes. Je sais plus ce que ça faisait exactement, mais. Ça ne va pas me faire de mal. L'œuf de poule. Voilà. Ça en fiche un peu. Bim. Notre église est merveilleuse. Oui, beaucoup de fois. Neuf, dix, onze. Légumes poussent plus vite. Ok.
Ok, c'était bien ça. C'est quelque chose que je voulais. Avec mes citrouilles. Surtout les citrouilles. Ça, non. Ça en pose. J'ai combien de jus de zombie? J'en ai 4. Ah oui, ben ça va en fait. Pourquoi je sors par là? Qu'est-ce que je veux faire? Au secours. Bonjour. Faudrait que je fasse un columbarium de pierre. Réparer la clôture, ça peut être bien aussi. Ça coûte pas grand chose. Ça sera joli. Ça coûte pas grand chose. Bah, je vais le faire tout de suite. Je pense que je m'arrêterai bientôt. Donc 10 clous. 10 planches de bois et 6 pierres. 10, 10, 6. On va passer par dehors. 10, 10, 6. Et je veux aussi 10 autres carottes pour avoir 4 zombies. 4 non morts, c'est toujours mieux. Toujours plus de non morts. Par contre, ici je peux faire ma première caisse. Je fabrique, ça descend tout seul, ça remonte tout seul. Ok. Oh, 45 de bleu. Je commence à en avoir beaucoup là. Ça fait du bien. Hop. Donc ok. Qu'est-ce que je voulais? Oui, 10, 10, 6. Je vais faire ça quand même d'abord. On verra la caisse la prochaine fois. Balance céramique, non. C'est ici. 3. 10. Il m'en manque. Et c'est 6 pierres. Les pierres sont ici. Wow. 3, 4, 5, 6. Bili, bim, bim. Hop. J'ai l'impression que pour un même nombre de lingots de fer, j'ai plus de clous qui sont créés. J'ai pas posé ça. Normalement j'ai tout. Je suis toujours pas allé regarder la vigne. Mais bon, le vin ça rapporte pas mal d'argent, mais c'est pas indispensable, on va dire. Parfait. Et ben voilà, c'est réparé tout de suite. Clôture de pierre. Alors, ça par contre, il me faut de la pierre polie. Donc, la pâte à polir, je suppose. Et morceaux de pierre sculptés carrément. Ça augmente de 10 l'attrait de cimetière. C'est vrai qu'il est vachement plus joli. Là, j'ai plus cet arrière-goût de... Il est à moitié hanté, mais pas vraiment. Avec les arbres, en plus, qui donnaient cette impression. Un peu comme ici, quoi. Oup là. Merci, Niwal, pour le follow. Hop là.
pas poussé. C'est quoi ça? Ça, c'est des oignons ou pas? Je suis vraiment nul. J'ai des oignons qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Et je ne les utilise pas. Je les mets à l'intérieur. Je pense que les oignons, vaut mieux les garder. Parce que j'en ai besoin pour le pour les burgers. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. Du coup, je pense que je vais juste faire ça. Aller me coucher. Et vous espérez quoi, que j'ai, vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Et à très vite, quoi. Tout simplement.